Oh, Oui, je vais grave. m'y coucher, mais je vous remercie beaucoup. Puis je pense que je suis inscrite au prochain, donc je me sens. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci, À toi Laetitia. Bonjour, Laetitia. À la Bye. prochaine. Bonjour. Bye. Bye. Merci. Donc là, ce magazine, j'ai souvent la difficulté à lire les étiquettes et à faire la différence entre les produits. Qu'est-ce que je peux faire? Et moi, ce que je fais quand je vais dans un magasin, de toute façon, mon conjoint est toujours avec moi, j'apporte ma loupe. C'est vrai qu'il y en a qui sont aveugles complètement, là. Moi, c'est base vision, il n'en reste pas trop, trop. Alors, je traîne avec l'Institut Nazareth, là, j'ai toutes mes loupes. Et puis, j'emmène ça avec moi. Puis, tu sais, quand tu as toujours fait tes choses, puis là, tu dépends. Tu te dis, ben, regarde, là, j'ai cette chose-là, fait, regarde, je vais. Tu sais, je suis fière, là, de prendre ma loupe, là, puis de regarder. Moi, c'est ça, là. Mais il y a certains, moi je suis pas capable de lire, là. Et puis, il y a comment je dirais, c'est Des applis pour le téléphone intelligent? des applications qui nous aident à faire la lecture ou la lecture des codes QR, où il y a toujours, il y en a un autre qui, c'est-tu Blind Square? Non. Oui, Blind Square? Non. Il y en a un autre que tu peux demander à des gens, tu sais, mettons, tu magasines pour des vêtements, puis ils te disent quelle couleur, et quelle couleur ce vêtement-là, ou tu sais. Mais c'est difficile, c'est difficile. Oui. Tu peux utiliser des codes QR aussi, Code. mais tu sais, il faut toujours que tu le trouves où il est. Si tu ne trouves plus de code QR, c'est pas évident, Ouais. là. Mais ça ne te lit pas les prix non plus, tu sais. Il y a les applis Tap Taxi, donc Ouais, ça, je l'ai aussi. TAXI. Et puis mardi, on a été également d'une des participantes qui a mentionné Be My Eye or Be My Eyes, Oui, c'est ça, je te disais, quand tu veux savoir quelle couleur, tu sais, mettons, quelle couleur est ton vêtement, est-ce que ces deux appareils-là matchent ensemble, c'est Be My Eye, c'est des gens qui te répondent, qui sont en ligne et qui te répondent. OK. Donc, les étiquettes des produits de consommation doivent respecter la loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation. Par contre, ceux-ci ne contiennent pas des normes visant l'accessibilité des personnes malvoyantes. Les magasins n'ont donc aucune obligation législative quant à l'accessibilité de leur étiquetage par rapport aux personnes non-voyantes. Tout de même, par contre, un deuxième par contre, si l'incapacité de lire les étiquettes et de différencier des produits résulte d'un handicap, le fournisseur des biens a une obligation d'accommodement raisonnable. Donc, on revient toujours à l'obligation d'accommodement raisonnable. Et donc, bien que changer l'étiquetage des produits risquent d'être une contrainte excessive, parce qu'on pense pas juste les gros Walmart, les gros Costco, mais aussi on parle aux petits magasins, là. Si vous pensez qu'il existe des moyens d'accommodement raisonnable, vous êtes en droit de les demander. Donc, ça pourrait être avoir l'aide d'un commis pour lire les étiquettes ou trouver un bien. Et si vous pensez que l'entreprise fait défaut à leur obligation d'accommodement raisonnable, ben là, vous pouvez toujours déposer une plainte auprès de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Ça, c'est la Commission québécoise, ou bien la Commission canadienne des droits humains. C'est ça qu'il faut que ça soit pas plus que 2 mois après ce qui est arrivé? 2 mois? Non, Non. c'est 2 ans. OK. Parce Donc, que j'ai un ami qui habitait Magog, puis il s'est fait refuser l'aide d'un employé OK. chez Métro. Oui. Puis la gérante, elle a même dit ben écoute, moi j'aimerais mieux que tu viennes faire tes affaires ici.
c'est du magasiné ici. Et là, lui, il a fait une plainte au gérant, puis il a dit qu'il parlait à la fille, évidemment. Puis elle, c'était la comment ça s'appelle ça, pas la directrice, là? C'était la gérante, là, mettons. Okay. Puis là, le grand boss, là, il a dit, ben, je vais y parler, ça n'a pas de bon sens qu'elle dise ça. Écoute, lui, il est arrivé deux back-to-back. Il est arrivé ça, puis dans l'autre, il est allé un espèce de Dollarama. Puis là, il a demandé, est-ce que je peux avoir de l'aide de quelqu'un, tu sais, pour m'aider à remplir ma liste que j'ai besoin. Puis là, il y a une petite commis qui a dit, ah, ben moi, je peux t'aider, tu sais. Puis là, la superviseur a dit, non, elle dit, t'as pas à perdre ton temps là-dessus, là. Elle dit, non. Fait que, puis là, elle a pris la liste des mains de mon ami. Puis elle est partie chercher ses affaires, mais, tu sais, comme lui, il avait marqué, admettons, de la purée de tomate. Il amène une purée de tomate. OK. Il dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Une purée de tomate, là, tu sais. Fait que, ben, elle dit, là, elle dit, ça va être de même, puis elle dit, la prochaine fois, amène-toi quelqu'un, ou, elle a même dit, amène-toi de l'aide, là, une infirmière, quelque chose, là. Une infirmière, tu sais. Ben oui, ouais. Toujours avec nous, en fait, hein, tu sais. Ben oui, ben tu sais. En fonction. C'est ça. Non. Mais, écoute, ça est arrivé, lui, les deux places à ma gueule. Ah. Fait qu'il était reviré de bord complètement, là, tu sais. Oui, tout donc. Ouais. Mm. Ah, ben là, là, il serait capable de déposer une plainte auprès de la commission pour Dollarama et l'autre métro. C'était métro, je pense, ouais. Okay, donc là, ça serait la charte québécoise qui s'appuierait. Et donc, ça serait dépôt de plainte auprès de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse au Québec. C'est ça. Mm-hmm. Donc, ça serait... Ouais, j'aurais spécifié, si je veux le faire. Il y a les articles 10 qu'on a vus pour la charte québécoise, prohibition de discrimination. Et puis là, l'article 12, nul ne peut par discrimination refuse de conclure un acte juridique ayant pour objet des biens ou des services ordinairement offerts au public. Donc, c'est comme ça qu'on peut déposer la plainte. Mais de toute façon, il n'est pas obligé de citer les articles et tout ça. C'est vraiment dépôt de plainte auprès des commissions. C'est vraiment pour monsieur, madame, tout le monde. C'est pas pour des juristes. Donc, c'est quand même le formulaire est assez simple. Qu'est-ce qui s'est passé? Sur quelle base? Pensez-vous que vous êtes fait discriminer contre et qu'est-ce qui s'est passé, qui vous avez contacté, qu'est-ce que vous avez essayé de faire pour le résoudre, qu'est-ce qui en est passé, et puis comme ça, ils prennent ça, ils vont investiguer. Mais ça risque de prendre très longtemps. Je veux dire, j'ai une copine qui a déposé une plainte auprès de la Commission québécoise au mois d'avril, puis elle vient d'être contactée il y a une semaine pour voir si elle serait intéressée à participer à la médiation. Donc, c'est quand même assez rapide comparé à ce que j'ai vu dans le passé. Ça a été comme un an ou deux, là. Donc, mais tu sais, en quelque part, t'as le temps de changer de vie, là. On pense sur parler, tu sais, ben là, moi, je suis un peu de la date, mais je m'en sacre, ben, c'est ça, je pense. T'es toujours dans le vague, là, tu sais. Donc, c'est ça, normalement, quand on porte des plaintes, c'est mieux de le faire le plus rapidement possible. De détailler avant qu'on glisse, même si on n'écrit pas toutes les notes dans la plainte même, mais juste pour avoir cette information pour nous-mêmes, avec les noms, les dates, les lieux, les... Ouais. Et aussi, un enregistrement. Si votre ami aurait enregistré cette conversation-là, ça serait comme très, très, très facile. C'est la plainte, ça, parce que... Ouais, c'est ça, sauf que tu penses pas sur le coup de d'enregistrer tes affaires, puis t'en vas faire ton épicerie, tu penses pas qu'il va t'arriver quelque chose comme ça, que t'as besoin d'enregistrer. Oui. Mais bon. Ouais.
Ben peut-être quand il est à ma gare, oui. Ouais. En tout cas, c'est ça. À ma gueule, regarde, c'est ça. Parfait. Donc là, la discussion, la dernière discussion. Lorsque je fais du magasinage ou que je dîne à l'extérieur, je rencontre souvent un terminal de points de vente inaccessible. Qu'est-ce que je peux faire? Un terminal de vente, de points de vente. Donc, mettons, inaccessible. Notre carte débit, notre carte de crédit, puis on lui donne une petite machine avec un touchscreen. Ouais, ouais, ok. Qu'est-ce que vous faites? Il n'y a pas trop grand-chose à faire, je pense, dans ce temps-là. Là. Non. Parce qu'il faut qu'on rentre absolument notre code. Quand, tu sais, si tu n'as pas une PayPass, moi, j'ai fait ma carte débit PayPass. Comme ça, je fais juste la passer. Mais sinon, comme l'autre fois, elle ne fonctionnait pas, ben, il fallait que je la rentre dedans, puis que j'essaie de tu sais, je demande à, justement à personne de dire, ben, regarde, pèse sur compte opération, puis là, mets-moi le doigt sur le 5, là, puis là, je vais faire mon numéro, tu sais. Mais c'est pas, le fun. Non. Non, et c'est problématique. Ça arrive de plus en au début, les points de vente étaient plus accessibles. Il y avait des pitons, des pitons, en bon québécois, il y avait des pitons physiques, là, où est-ce qu'on pouvait mettre notre mais là, de plus en plus, je vois que c'est vraiment tout des touch screens. Des fois, on me chalait à un magasin, une fois, c'était un iPad qu'on m'a donné pour signer, mais évidemment, c'était pas mon iPad. Là. Donc, j'ai pas demandé si je pourrais activer toutes les affaires d'accessibilité, mais ça devient de plus en plus commun maintenant. Des points inaccessibles. T'as pas une machine qui est pareille non plus. Non, c'est pas. C'est ça. T'arrives à une place, c'est comme ça. T'arrives à l'autre. Non. Je pensais que ça pourrait être comme l'autre. C'était pas si pire. Ben non. Mm-hmm. Une autre machine. Oui. Ah, la technologie. Ouais. Ben, c'est bien fun quand ça nous aide, mais quand ça nous nuit, c'est la pire chose. C'est ça. Donc, le fait qu'aucune loi n'oblige un établissement à d'être accessible ne le dispense pas de son obligation d'accommodement raisonnable. Donc, vous pouvez toujours consulter à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse Gagnon contre Hôtel Villa de France de 1988. Vous avez toujours le lien dans le document Word que vous allez recevoir. Et donc, une des sections du jugement, il se lit « La différence de traitement qui interdit la charte peut résulter d'un maintien d'une condition habituelle à un bien ou un service qui s'avère impossible ou difficile à remplir pour les membres d'un groupe protégé par la charte, tel un point de vente inaccessible. L'établissement a donc une obligation d'accommodement raisonnable, ça nous revient de temps à autre, obligation d'accommodement raisonnable, envers la personne en situation de handicap qui ne peut accéder à son point de vente. Selon la notion d'accommodement raisonnable, les fournisseurs de services ont l'obligation de faire tout ce qui en est raisonnable possible pour accommoder les personnes ayant une déficience. L'obstacle discret doit être éliminé, sauf s'il existe un motif justifiable de le maintenir, lequel peut être établi en prouvant que l'accommodement impose au fournisseur de services une contrainte excessive, ce qui constitue une contrainte excessive dépend des facteurs pertinents sur le plan des circonstances et des mesures législatives qui régissent chaque cas. Donc, grosso modo, ça veut dire que tu as toujours l'obligation d'accompagnement raisonnable, sauf si ça devient une contrainte excessive. Jusqu'au point que ça devient une contrainte excessive, la Cour suprême a donné trois catégories de contraintes excessives.
La première catégorie, c'est les limites de ressources financières. Donc, on parle d'argent ici, le budget. On se comprend qu'au niveau gouvernemental, le budget, c'est pas un problème. C'est ça, c'est pas un problème. Deux, le respect des droits de la victime. Donc, ici, encore une fois, avoir accès à un point de vente inaccessible, c'est pas une contrainte excessive quant au droit, au respect des droits. Et trois, le bon fonctionnement de l'entreprise ou de l'institution débitrice du secteur d'accommodement. Donc, si mettons un petit magasin avec une personne qui travaille la caisse, qui il y a seulement un employé, mettons. Et c'est toujours comme ça parce que c'est le propriétaire ou la propriétaire et ils n'ont pas d'argent pour engager des employés. Et que là, vous demandez de vous faire aider par cette personne-là, par le propriétaire, tandis qu'il y a beaucoup d'autres personnes dans le magasin, ben là, c'est possible que ça pourrait être une contrainte excessive, cette fois-là, parce que ça pourrait déranger le bon fonctionnement de l'entreprise. Donc, la personne unique qui est là vous aide pendant, mettons, 15-20 minutes, ou même 15-20 minutes, et puis que les autres clients veulent payer, là, ça pourrait être une contrainte excessive. Mais là, si vous demandez écoutez, j'ai besoin de quoi d'article-là, pourriez-vous me les donner? J'en ai besoin de deux chats. Là, c'est vraiment pas, à mon avis, ce serait pas nécessairement une contrainte excessive parce que, bon, si les autres clients peuvent attendre une minute. Donc, quand on dépose une plainte de discrimination, c'est à la personne qui se plaint, la plaignante ou le plaignant, de démontrer qu'il y a eu une discrimination et que cette discrimination était basée sur son handicap. Et au niveau de la commission québécoise, avec la charte québécoise, aussi que ça nuisait à un des droits qui était énumérés dans la charte, à l'âge. Mais une fois que ça a été démontré, le fardeau est renversé. Et ça devient, le fardeau maintenant appartient à l'établissement de démontrer qu'il s'agit d'une contrainte excessive. Et donc, l'évaluation de la contrainte excessive varie selon le cas. Parce que si on dit, ben, il n'y a personne pour vous aider parce qu'il y a seulement une personne qui travaille dans tout le magasin, c'est différent d'aller chez Costco en disant, oh, désolé, il n'y a personne pour vous aider. Donc, est-ce qu'il pourrait être une contrainte excessive pour, dans une situation, ne le serait pas nécessairement dans une autre? Et encore ici, on pense aux limites des ressources financières et le bon fonctionnement de l'entreprise. En somme, lorsque vous magasinez ou sortez au restaurant, vous rencontrez un point de vente inaccessible, vous êtes en droit de demander d'être accommodé de façon raisonnable. Si vous pensez que l'établissement a failli à son obligation, vous pouvez toujours faire une plainte auprès de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, ou bien s'il s'agit du gouvernement, parce que ça c'est au niveau provincial, s'il s'agit des services gouvernementaux, bien là, ça crée une commission auprès de la Commission canadienne des droits de la personne. Non, ça c'est la charte de droit. La Commission canadienne des droits de la personne. Ben, dans le fond, les dernières diapositives, c'est vraiment pour nous rejoindre. Vous pouvez nous rejoindre soit par téléphone ou par courriel. Là, dans la présentation, c'est le courriel droitdevant@imca.ca. Mais si vous écrivez à mon courriel personnel, je sais que ça vous répond plus rapidement. ouais, c'est ça. Je vous conseille de m'écrire par courriel si c'est par rapport à droit devant. Sinon, si vous êtes sur les réseaux sociaux et que ça vous tente de nous suivre,
On est sur Facebook, Twitter, YouTube. C'est par YouTube que nous avons aussi les liens des formations. On est sur LinkedIn et sur Instagram aussi.